Avant ce procès au Burkina Faso, toutes les attentions étaient portées sur le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et cette année, la moisson ivoirienne est bien faible. Seulement 2 distinctions sur 20aine de prix, à savoir le meilleur décor avec le film La Nuit des Rois de Philippe Lacote et le meilleur documentaire Jeune de Joël Akafou, une baisse de régime en termes de prix glané cette année par un pays qui avait l'habitude de s'adjuger les talons d'or ou celui d'argent. Une question s'impose, assistons-nous au déclin du cinéma ivoirien? Une interrogation que nos envoyés spéciaux Thiemé Dandjé et Haruna Zeba ont posée à des participants au festival. Par ce coup de clap, le président du Faso, le 17 octobre dernier, ouvrait le rideau sur la 27e biennale du 7e art en Afrique. En compétition, 17 longs métrages de réalisateurs de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, qui affichent un fort optimisme à l'ouverture de la messe du cinéma panafricain. Comme chaque année, on vient gonfler à bloc, on veut partir avec les talons. Donc, on espère que ça va être ça. Fort malheureusement, à l'arrivée, aucune des distinctions majeures de l'étalon du Yenenga 2021. La Côte d'Ivoire se retrouve sur le podium cette édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec seulement le prix du meilleur décor avec le film La Nuit des Rois, un long métrage du réalisateur Philippe Lacote et celui de meilleur documentaire réalisé par Joël Akafou. Une méforme du cinéma ivoirien à ce grand rendez-vous culturel diversement apprécié. On a eu aussi dans les prix spéciaux Les Trois Lascars, qui est un film franco-ivoiro-burkinabé, qui a eu un prix spécial, le prix de l'intégration et de la CDAO. On a fait un petit peu. Après, vu le contexte sanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de production en Côte d'Ivoire, et nulle part d'ailleurs. C'est vrai, on est habitué au premier rôle, mais tout dépend des contextes. Je pense qu'il faut quand même saluer le fait qu'on a pu proposer quelque chose malgré l'urgence. Un FESPACO, il se prépare en amont, il se prépare avec l'État qui envoie ses cinéastes compétir à l'international. Le FESPACO pour nous, cinéastes, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations. Voyez. Donc de la même façon dont on met à l'aise les éléphants, footballeurs et handballeurs et autres, c'est de la même façon qu'on doit préparer une équipe qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au FESPACO. Tant qu'on ne fera pas cela, il ne faut pas s'attendre à une grosse moisson. Quand on arrive d'un festival et qu'on n'a pas reçu les prix qu'il faut, je veux dire qu'on n'a pas reçu tout ce qu'il faut comme reconnaissance globale pour ce festival-là, ça doit nous envoyer à travailler de plus. On a besoin des soutiens du gouvernement. C'est super important, il faut le soutien du gouvernement. Je ne le dis pas parce qu'on est en train de tendre la main. C'est juste de créer l'environnement en fait, pour que l'environnement économique puisse accompagner en fait, l'environnement technique et artistique en fait, que tous ceux qui sont dans ce milieu-là sont en train de gérer au quotidien. La moisson est également faible pour le pays hôte. Une contre-performance reconnue par son président qui prévoit une hausse de l'appui de l'État aux acteurs du milieu. La plus prestigieuse distinction, les talents d'or du Yenenga 2021, a été remportée par le réalisateur somalien Ahmed Kadar avec son film « La femme du fossoyeur ». Le Burkina Faso, quoique confronté à une crise sanitaire et sécuritaire en lien avec les attaques terroristes, est parvenu à organiser un spectacle riche en couleurs et en sons. Un délice pour les amoureux du 7e art, venus de différentes contrées d'Afrique et du monde.